Dieu. Vine contigo. Cállate, Gilmore. Los hombres padronizan. Oh non, 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 non. Equine. Carlos Gatigimos. El doble Ferry. Doctores, amonisten. Doctores, amonisten. Doctores, ignora. Allez, allez encore un peu. Merde. Jacob, j'ai réussi. J'en suis sortie. Lara, Dieu merci, vous êtes vivante. Apportez-moi l'Atlas à notre observatoire, dans les montagnes. Très bien, j'arrive. Celle-ci retrace la construction d'une grande cité. Qu'étais-je ? Lara ! Lara, est-ce que t'es là ? Jonah, c'est toi ? Ma petite Kai ! T'es vivante ! Je le savais ! Bon sang ! Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici ? Où est-ce que t'es ? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse. Tu pourras remercier Jacob. Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça va, c'était pas si terrible. Je t'ai dit que je veillais sur toi. J'allais pas te laisser toute seule ici. Je viens à ta rencontre. Ne bouge pas de là. Ça, c'est pas au programme. Fais gaffe à toi.
Lara, ravi que vous soyez toujours des nôtres. Les envahisseurs sont disséminés dans la vallée. On tente de les repousser partout où on le peut. Si vous voulez nous y aider, vous êtes la bienvenue. On sait qu'on peut vous faire confiance. Jonah ! T'as pas bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara. Ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Vous l'avez trouvé. Les fondateurs de Kitej étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Incroyable. Ils ont dû s'en servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité juste sous le lac. Mais il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Stop ! On y est. Kitej ne se trouve pas sous le lac. La cité sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace ? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là, et la tour est de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément… ici. L'entrée de Kitej… est ici. Vous le saviez. C'est elle !
évacuez-la. Lara, attrape ma main. Lara, n'essaie pas de m'aider. Jonah. Cours. Lara. Oh non. On a plus beaucoup de temps. Il ne faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara ! Est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Ils ont Jonah maintenant. Et l'Atlas. Mais s'il pense qu'il sait quelque chose, il y a encore une chance qu'il le garde prisonnier. J'espère simplement que Jonah tiendra le coup, le temps que je le retrouve. Je dois le ramener. Je ne le laisserai pas mourir ici. Tiens bon, Jonah. J'arrive.
Lara! Encore de la propagande. La tempête se rapproche. Je sais que je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ta mère, Lara. Mais sache que malgré le peu de temps qu'elle a passé avec toi, elle t'aimait plus que tout au monde. Nous étions très heureux tous les trois. Et quand elle nous a quittés, j'étais dévasté. Je le suis toujours. J'espère trouver un jour un moyen de faire disparaître cette douleur. Pour moi, il est trop tard.
mais pour les autres. Je commence à radoter. Je n'aurais pas dû prendre ce dernier verre. Faites beau rêve, ma puce. Est-ce que c'était pour elle? Ces questions sur la vie auxquelles tu voulais tant répondre? Ou était-ce juste une excuse? Peut-être que je te faisais trop penser à elle. Bon sang, Lara, tu parles d'un fantôme. Avec un autre fantôme. C'est peut-être toi qui as besoin d'un verre. J'étais sûr que vous le choisiriez.